Bonsoir et merci d'avoir choisi cette séance pour essayer de vous endormir facilement et rapidement. Avant de commencer, si ce que l'on fait vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à revenir dessus pour la refaire et nous lâcher des pouces et des commentaires. Cela nous aide énormément à la visibilité de nos vidéos. Merci. Cet audio a pour but de vous aider à trouver ou au moins à améliorer votre sommeil et à vous relaxer au mieux. Vous avez pris ce temps de relaxation pour vous et c'est très important. Il faut savoir prendre un peu de temps pour soi. À l'heure où tout va vite, à l'heure où il faut être compétitif et performant, il est d'autant plus important de savoir prendre du temps pour soi et d'entraîner son esprit au repos. Car oui, le repos de l'esprit est un entraînement. Plus vous l'entraînerez, plus vous réussirez à prendre un peu de ce temps pour vous, plus il vous le rendra au centuple. Que ce soit par la méditation ou des séances comme celle que je vais vous faire vivre ce soir. Pour tirer au mieux le profil de cette séance d'hypnose, il est conseillé de bien suivre les conseils préalables et de l'écouter au moment de vous endormir. Il est aussi conseillé d'utiliser un casque si cela ne vous gêne pas. Bien sûr, il est évident que vous ne devez jamais écouter ceci en conduisant. Je vous conseille également de désactiver la lecture automatique sur YouTube, de manière à ce qu'une nouvelle vidéo ne vous réveille pas après cette séance. En fin de séance, je vais laisser la musique de fond, de manière à ce qu'elle s'arrête en douceur. Dans la description, je vous mets également le lien de la chaîne YouTube de Franck, qui a composé la musique spécialement pour accompagner cette séance. J'en profite pour le remercier une nouvelle fois, ici, publiquement. Sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer. Et je vous laisse le temps de vous installer le plus confortablement possible, de bien vous couvrir, pour ne pas être gêné par le froid, de vous allonger les bras le long du corps et les jambes décroisées. Prenez votre temps. Installez-vous confortablement. Alors que vous êtes allongé confortablement, les bras le long du corps, les jambes décroisées, vous écoutez le son de ma voix et cette douce mélodie. Et déjà, votre corps se détend, sans rien forcer. Naturellement. Peut-être allez-vous vous concentrer sur votre respiration. Est-elle lente ou rapide? Respirez à votre rythme, sans la forcer à ralentir ni accélérer. Je vous invite juste à l'observer le plus souvent possible tout au long de cette hypnose. Il se peut que vos pensées deviennent trop présentes. Ce n'est pas grave. Et c'est normal. Personne ne vous demande de ne plus penser. Lorsque vous en rendez compte, revenez simplement en conscience sur votre respiration. Respirez à votre rythme. Puis, vous allez commencer un décompte à partir de 400. 399. Je vous propose durant cet exercice qu'une partie de votre esprit compte. Si vous perdez le fil, c'est normal. Et ça fait partie du jeu. Vous pouvez simplement reprendre là où vous étiez arrêté, ou repartir de 400. Et si vous n'y arrivez pas, c'est bon aussi. 399. 398. 397. Vous allez maintenant commencer à prendre conscience de certaines sensations de votre corps. En commençant par ressentir et porter votre attention sur chaque point d'appui sur lequel votre corps repose. Ressentez votre corps reposer sur votre matelas. Sentez sa lourdeur et chaque point d'appui. Ressentez les tensions s'il y en a. Comment vous sentez-vous allongé là? Vous allez maintenant porter votre attention sur vos deux pieds.
avec cette sensation d'avoir vos muscles qui se relâchent à chaque expiration. Peut-être vous ressentirez même une sensation de chaleur ou de fourmillement. Ou peut-être ne ressentirez-vous rien de particulier. Et c'est parfait ainsi aussi. À chaque expiration, un peu plus relâché, un peu plus détendu. Imaginez une agréable sensation de chaleur comme un nuage moelleux et chaud qui viendrait envelopper vos pieds, toujours confortable et agréable. À chaque expiration, chaque muscle se détend. Vous ressentez la détente dans chaque doigt de pied, sur le talon. Puis portez votre attention sur vos chevilles. À chaque expiration, ressentez la détente de chaque muscle de cette articulation. Une articulation importante qui porte tout le poids de votre corps lorsque vous êtes debout. Prenez le temps d'observer cette zone, vos chevilles, la gauche, la droite. Ressentez comment vous vous sentez. À chaque expiration, tout se détend, tout se relâche. Toujours ce nuage moelleux et chaud qui remonte de vos pieds à vos chevilles et qui les aide à se détendre. À chaque expiration, toujours un peu plus, de plus en moins, de moins en plus. Sentez toujours ce nuage moelleux qui remonte au niveau de vos mollets, qui eux aussi se relâchent et se détendent un peu plus à chaque expiration. Toujours un peu mieux. Peut-être même l'agréable sensation d'engourdissement, de lâcher prise. Et cette sensation qui s'amplifie. Gardez votre attention. Et ce nuage moelleux, doux et chaud qui maintenant remonte et qui enveloppe aussi vos genoux. Elle aussi, articulation qui porte le poids de votre corps lorsque vous êtes debout. Prenez le temps agréable de détendre chaque muscle. Chaque tendon de ses genoux. Le gauche, et puis le droit, et puis le gauche. À chaque inspiration, prenez l'énergie de douceur de ce nuage pour qu'à chaque expiration, il se détende toujours un peu plus, de plus en moins,
de moins en plus tendue. Portez maintenant votre attention sur vos cuisses et laissez toujours ce joli nuage moelleux, doux, envelopper tout doucement, remonter lentement. Et peut-être sentirez-vous peu à peu votre corps s'engourdir, s'enfoncer tout doucement et toujours confortablement. N'entrez pas en transe maintenant, savourez ce moment que vous vous offrez. Chaque expiration, toujours un peu plus détendue. Et ce nuage qui enveloppe maintenant vos deux jambes entièrement. Quelle sensation agréable. Portez votre attention sur votre bassin maintenant. Et le bassin du côté droit. Puis le bassin du côté gauche, passez de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Portez votre attention et laissez ce nuage envelopper votre bassin. Sentez sa chaleur réconfortante, cette douceur qui relâche chaque tension, une à une. Et toujours, à chaque expiration, un peu plus détendu. Laissez remonter cette douce chaleur décontractante le long de votre dos et notamment le long de votre colonne vertébrale. Sentez chaque petite vertèbre qui, l'une après l'autre, vont pouvoir se dérouler, se déposer un peu plus sur le support sur lequel vous êtes allongé. Voilà, très bien. Visualisez ce nuage doux, sa chaleur bienveillante et votre respiration qui vous aide toujours à vous détendre. Toujours le plus confortablement, ce petit nuage de douceur qui vous enveloppe et qui passe maintenant sur votre ventre, sur le bas de votre ventre, et qui remonte tout doucement le long de vos poumons et de votre cœur. Vous vous sentez bien. C'est moelleux. Une espèce de couverture nuageuse, agréable, bienveillante. Ce petit nuage qui atteint maintenant vos deux épaules. Détendez-les bien
à chaque expiration. Beaucoup de tension se trouve dans cette zone. Comment vous sentez-vous? Peut-être trouvez-vous un déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être pas. Et tout est bon. Tout est ok. Dans ce temps de légèreté que vous vous accordez, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Vous êtes gagnant. Tout le temps. Nous allons maintenant porter votre attention sur votre bras droit tout entier, y compris le coude, bien sûr. Sentez ce nuage descendre de votre épaule droite sur votre bras droit et commencez à l'envelopper toujours, de manière à le réchauffer, à le détendre. Et à chaque expiration, toujours, un peu plus détendu. Puis le poignet droit, et enfin votre main et chaque doigt de celle-ci. Prenez le temps pour détendre encore un peu plus à chaque expiration. Sentez ce magnifique nuage de douceur. Nous allons repartir maintenant pour continuer ce sublime voyage intérieur sur votre main gauche. Portez votre attention dessus. Et sur chaque doigt de celle-ci, ce petit nuage de bonheur qui enveloppe chaque doigt de votre main gauche et qui remonte doucement jusqu'à votre poignet. À chaque expiration, prenez le temps de détendre chaque petit muscle, chaque petite tension que vous pouvez ressentir. Imaginez à chaque inspiration l'énergie douce qui vous envahit et à chaque expiration elle vous permet de détendre là où vous portez votre attention. Ce petit nuage qui remonte toujours le long de votre poignet gauche maintenant. Et qui remonte doucement le long de votre bras gauche tout entier. Thank you.
qui enveloppe le coude et qui rejoint vos deux épaules. Détendez bien votre bras gauche. Ressentez à nouveau comment vous vous sentez. Est-ce que les déséquilibres, s'il y en a, ont disparu ? Concentrez-vous toujours sur votre belle respiration. Visualisez ce nuage doux qui vous enveloppe maintenant des pieds aux épaules. Quelle sensation agréable, il vous laisse. Ressentez votre corps lourd, de plus en plus lourd, et en même temps si léger, comme votre esprit qui vagabonde, de droite à gauche, de bas en haut, de bas à gauche, de bas à droite. Concentrez-vous et portez votre attention sur vos cervicales et sur votre gorge. Sentez toujours ce nuage moelleux, doux, bienveillant, léger. Remontez le long de votre tête, de votre cou, et vous aidez à chaque expiration à bien détendre chaque cervicale. Cette énergie de douceur, ce nuage de tendresse, va maintenant détendre votre tête, un peu plus lourde, un peu plus pesante, qui s'alourdit, qui s'enfonce de plus en moins, de moins en plus, de plus en plus, agréablement. Portez votre attention sur le sommet de votre crâne, de votre front. Relâchez bien votre front. Décrispez-le si besoin. Puis, vos yeux, même fermés, vous pouvez les décontracter. À chaque expiration, tous vos petits muscles autour des oreilles, eux aussi se détendent. Vos joues, elles aussi se détendent. Ressentez votre nez, puis toute la zone autour de votre bouche. Relâchez les muscles de votre mâchoire, qui est souvent crispée, souvent serrée, sans même s'en rendre compte, inconsciemment, consciemment.
pouvez même laisser votre bouche s'entrouvrir légèrement. Portez aussi votre attention sur votre langue. Elle aussi, vous pouvez la détendre. Vous pouvez la décoller un peu pour la placer sur le palais ou bien la laisser telle qu'elle. Maintenant, ressentez toute la douceur de ce nuage sur votre visage. Sentez votre visage se relâcher, se détendre. Et votre respiration qui se fait de plus en plus ample, de plus en plus détendue. Et ce nuage qui maintenant vous enveloppe entièrement et vous laisse dans un cocon de plénitude, de bonheur, de douceur. De détente. Chaque respiration qui se fait de plus en plus ample, de plus en plus détendue. Dans un petit instant, je vais compter de 10 jusqu'à 1. À chaque chiffre, vous vous imaginerez descendre les marches d'un joli escalier. Un escalier qui va vous amener vers votre subconscient. Cette partie de vous qui contrôle toutes ces choses sans même que vous ayez besoin d'y penser, sans même vous en rendre compte. Cette partie de vous qui sait à quel moment vous devez accélérer les battements de votre cœur. Et à quel moment il sait quand vous devez ralentir et relâcher cette partie qui contrôle inconsciemment votre respiration. Laissez votre inconscient travailler pour vous. 10. À chaque chiffre, vous allez vous sentir 9. De plus en plus relâché. 8. Détendu et absorbé. 7. Vers l'intérieur de vous-même. 6. Et votre respiration. 5. S'amplifier. 4. De plus en plus lente. 3. À chaque inspiration. 2. À chaque souffle d'air. 1. Votre inconscient est parfois très actif, même lorsque vous, votre conscient, votre corps est au repos. Votre inconscient, lui, continue à s'activer. Nous allons lui demander, à partir de maintenant, de lui aussi pouvoir se mettre au repos. Un repos nécessaire. Il arrive parfois aussi que votre inconscient profite de ce moment de calme pour vous faire passer des messages.
que vous auriez tenté d'ignorer pendant la journée. Vous allez maintenant passer un accord avec votre inconscient. Vous allez prendre du temps lorsque vous êtes éveillé pour entendre ces messages, parfois récurrents. En échange, une fois votre inconscient apaisé, il va pouvoir lui aussi se mettre au repos, en état de veille. Il va même pouvoir vous aider à trouver, à retrouver un sommeil profond, réparateur, apaisé. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous irez vous coucher, avec ou sans l'aide de ma voix, vous accédez facilement et rapidement à cet état dans lequel vous sentez le monde extérieur s'éloigner, où vous pouvez prendre contact avec vous-même, de moins en plus profondément, et vous sentez votre corps à la fois plus lourd et plus léger. Peut-être votre tête qui penche plutôt d'un côté ou de l'autre. Peut-être d'éventuelles pensées vous viennent à l'esprit. C'est tout à fait normal et sain. Observez-les, voyez-les en tant que spectateur. Vous les laissez simplement passer, s'éloigner, glisser, vous échapper. Leur contenu se fait de plus en plus flou, de plus en moins clair. Elle s'éloigne de plus en moins, de moins en plus, de bas en haut et de haut en bas. Juste observez aussi dans le même temps votre belle respiration. Et votre esprit perd de plus en plus, de moins en plus le fil de vos pensées. Vous vous endormez profondément, paisiblement. Maintenant, jour après jour, trouver le sommeil deviendra de plus en plus facile et rapide, sans même vous en rendre compte. Certains vont y arriver du premier coup, pour d'autres ce sera un travail sur plusieurs cycles, et c'est très bien ainsi. Le sommeil est construit à partir de cycles. Il est inutile de se juger. Prendre le temps de se décontracter, prendre le temps pour soi, est déjà une victoire. L'essentiel
et de trouver le rituel de sommeil qui vous convienne le mieux et qui vous amène de plus en plus profondément à chaque respiration, toujours plus lent, plus loin, et vous dormez. À chaque respiration, toujours plus lente, plus loin, plus longue, vous dormez au pays des rêves et des nuages doux, chauds. Toujours plus détendu. À chaque expiration.